après une telle défaite, on a hâte de vite vite l'effacer et repartir de l'avant. Malgré tout, on a pu bien travailler pendant 2 semaines, malgré quelques internationaux, on a beaucoup travaillé, on a hâte d'être sur le terrain dimanche. Ouais, ça va être un match particulier pour moi. C'est vrai que j'ai joué beaucoup de saisons là-bas et je suis très très heureux de les rencontrer et j'espère qu'on va gagner. Il y a beaucoup de jeunes joueurs avec qui j'ai plus ou moins été formé, qui étaient un petit peu plus jeunes quand j'y étais, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont les valeurs de Saint-Étienne. On voit qu'ils lâchent rien, qu'ils gagnent beaucoup de points en fin de match, donc on sait que ça va être compliqué, ça va être une belle bataille dimanche. Bah, bien sûr, je suis frustré un petit peu de mon temps de jeu, ce qui est normal comme chaque remplaçant. Maintenant, j'aspire à gagner du temps de jeu. Je travaille beaucoup à l'entraînement, je parle avec le staff beaucoup, avec les autres joueurs pour gagner de l'expérience et j'aspire à gagner ma place. Le discours du coach, c'est qu'il faut, il faut apprendre, c'est un niveau encore supérieur, qu'il faut continuer à travailler, être fort mentalement pour pas lâcher. Ça fait partie d'une carrière de footballeur, il faut être prêt pour ça, il faut pas lâcher. C'est ce que je fais, je travaille beaucoup à l'entraînement, en salle, en dehors, pour être prêt quand on fait appel à moi. Et je me résigne pas à ce statut et j'espère gagner ma place.